Hey, salut à tous les amis et bienvenue dans ce Avez-vous déjà vu sur Chivalry Medieval Warfare. C'est quoi ce jeu pourri? C'est pas un jeu pourri. Bon, je vais t'expliquer. En fait, tu prends un Call of, hein, tout simple. Tu changes la map. Tu mets un truc moyenâgeux, genre un château. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, le mec, t'as juste à lui coller un casque, une épée et un bouclier et t'es sur Chivalry Medieval Warfare. Ah, ok. Donc ce jeu au thème moyenâgeux vous transportera dans divers endroits, divers maps, où il faudra développer votre stratégie, bien évidemment, il faudra mener vos troupes au combat, etc. Et il faudra vraiment faire preuve de tactique, hein. Si tu fais pas preuve de tactique, c'est sûr que tu mourras au combat. Non, en fait, je déconne, c'est totalement beau, hein. Deux équipes s'affrontent, les chevaliers et l'ordre de maçons. Non, c'est pas l'ordre des maçons que tu penses. Chaque équipe a donc 4 classes. Archer, combattant, conquérant et chevalier, et chaque classe a ses armes spécifiques qu'il faut débloquer en faisant des kills. Eh bah oui, c'est bien ça le problème, faire des kills, parce qu'au début on va t'appeler le brasseur de vent. Eh bah oui, tu brasses du vent et tu meurs. Eh bien oui, ton quotidien sera la mort, parce qu'on n'apprend pas en un jour à servir d'une épée. C'est pas un petit cure-dent que t'as dans la main là. Et puis qu'est-ce que ça m'énerve quand tu marches 800 mètres là. Là tu vois, je suis motivé là. Là j'ai fait toute la map à pied. Et là j'arrive. Et je me fais planter, non mais franchement ça dégoûte, j'ai marché 5 minutes pour venir là quand même. Et puis c'est quoi ce bug là, tu vois, je tire une flèche, je recharge, mais je me prends une flèche au même moment, du coup ma flèche elle a disparu. Non mais j'ai plus de flèche putain, non, aïe, aïe, ça fait mal. Bon, faut quand même expliquer que sur ce jeu il y a un esprit très chevaleresque, hein, l'honneur est très important. C'est-à-dire que tu vois, je vais embêter cet homme. C'est-à-dire que je vais lui piquer l'arrière-train. Voilà, ça a pas l'air de lui plaire, ça lui pique un peu. Eh bien vous allez voir que toute mon équipe va réagir. Et tout le monde va me sauter dessus, ennemis, alliés, tout le monde. Il n'y a pas de problème, c'est l'honneur. Ouais, à l'attaque, à l'attaque. Non, j'ai plus envie d'y aller, il me faut peur. Non, moi je veux pas me battre. À la base, je suis qu'un remplaçant. Normalement, on m'avait dit je resterais sur le banc. Je veux pas me battre, non, restez loin. Non, le monsieur, il arrive là. Le monsieur, laissez-moi remonter. Non, monsieur, non, faites l'amour, pas la guerre. Ouais, les copains, ils sont arrivés. Allez-y, les copains. Allez, tapez-lui dessus, là. Il essaie de me tuer. Bon, il faut dire aussi ce qui fait une partie du jeu très intéressante. C'est que tu as 5 membres qui sont détachables, tes 2 jambes, ta tête et tes 2 bras. Ah, c'est très gore, hein. C'est vraiment très gore. Amputation. Bon, il faut dire des fois que t'auras pas du tout de chance, c'est-à-dire que là je me fais tirer dessus une première fois, je suis pas mort, une deuxième fois je suis pas mort, je vais te tuer. Oh non, merde, on me l'a tué. Oh merde, je suis mort. Ah, vive la chance. Excuse-moi, tu fais quoi là? Bah, je mine. Ah, tu mines. Ah d'accord, bah je crois qu'on va te laisser, nous on va y aller, hein. Bon, c'est vrai qu'après 2-3 games, tu vas quand même regretter les bonnes armes à feu, hein. Parce que tu vois, là, j'essaye de m'initier dans leur duel. Je me dis, je vais le tuer, il va pas me voir. Et ben non, putain, recharge! Aïe, oh putain. Bon, des fois, il va se passer des phénomènes un peu paranormaux, hein. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai tué ces 2 hommes et là, il y a un immense nuage qui approche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Excusez-moi, c'est quoi? Bon, et il y a cet homme aussi là. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai commencé à le taper, du coup, on l'a tous tapé. Mais il est immortel, le mec! C'est censé être un paysan. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Attention, cet homme est immortel, faites attention. Putain, bah, comment t'as fait pour le tuer? Comment t'as fait? Je veux savoir. Bon, comme j'étais nul au combat sur le champ de bataille, je me suis dit je vais refaire l'entraînement. L'entraînement que t'es censé faire au départ. Donc tu casses 2-3 troncs d'arbres et t'es soi-disant capable de devenir un chevalier. Bon, je me suis vite embêté dans ce mode entraînement, donc je me suis dit, je vais taper les mecs, je vais les taper parce qu'ils ont pas l'air de bouger, tu vois, le mec, tu lui mets un putain de coup d'épée en pleine face, mais non, le mec il reste là, là ils sont en train de se faire un bisou, non, tu lui fais pas de bisous, wow, tu lui fais pas de bisous, tiens, mange-toi ça, bon, ils ont pas l'air d'avoir mal, attends, qu'est-ce que je dois faire là? Tu veux qu'on lance cette torche? Bon, vas-y, fais-le. Ouais, ok, bon, je la lance, t'es prêt? C'est parti. Je crois que tu t'es loupé là. Ouais, je sais, mais... Non, n'y pense même pas. Non, tu ne fais pas ça. Attends, on essaye. Non. Et voilà, cet homme est en train de mourir. Non, il a pas l'air de mourir, hein. Je crois qu'il va même très bien. Oh, mais attendez, c'est quoi ce bug? Essaye sur l'autre qui est assis, là. Essaye pour voir.
Oh putain, ça passe à travers. Ah ouais, non, mais c'est fou, ça. Attends, je vais essayer sur lui. Tiens. Ah, lui, il a mal, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Bon, bah, il y en a qui crament et il y en a qui crament pas. Bon, quelqu'un peut m'expliquer aussi le fonctionnement de ce chariot. Ça veut dire que quand je suis à côté, en fait, le truc, il avance. Mais quand je suis écarté, il avance plus. Non, mais attends, tu crois vraiment que ça existait, ça, au Moyen-Âge? Elle est où, la télécommande, là? Là, il y a un truc, hein. Il y a un moteur électrique, il y a quelque chose, hein. Excusez-moi, cher monsieur, vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne, ça? Parce que c'est improbable, hein. Bon, on fait ce qu'on a dit, hein. On fait vraiment ce qu'on a dit, hein. Ouais, ouais, moi, c'est bon, je suis chaud, je suis prêt, je suis paré, là. Je vais chauffer la piste, quoi. On termine en musique. Jean-Guy, mets-toi platine. Merci. C'est bon, t'es prêt, hein. Dès qu'il appuie, c'est parti, hein. Ouais, ouais, c'est parti. Allez, moi, je suis chaud. Ouais, vas-y, Jean-Guy, allume. Eh ouais, et à gauche, à droite, et hop, on ondule. Allez, c'est parti. Yep, wow. Oh, merde, j'ai fait tomber mon slip, je crois. J'ai fait tomber mon slip en sang. Oh, on ondule. À gauche, à droite, à gauche. Et encore à droite, et hop, position de l'araignée. Et hop, on drop de jambe, tac, tac, tac. Yeah. Allez, on jump, boum, on ondule, la petite vague là. Ouh, le bassin, regarde, c'est sexy. Ouh là, le bassin, et on ondule le bassin, yeah. Tac, 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 et yeah, on est chaud ce soir.